Alors là, on est sur une petite plage, sur un lac secret, un des trésors du Pontiac. Là, on voit le lac, mais une toute petite partie du lac. Tout à l'heure, il y avait des huards qui chantaient. Derrière la plage, un immense marais. Au fond du marais, il y a à nouveau un lac. À nouveau un lac. Ici, il y a le kayak avec le matériel. Donc le sac à dos, avec les sacs de couchage, différentes affaires. Au menu, haricots noirs, du riz, du gratin de corned beef. Et on est bercé par le doux bruit des vagues. Non, il y a aussi un avion. Par le ronronnement des avions. Voilà. Bon, on prépare le bivouac pour la nuit. Ah, c'est... Le sol est labouré d'empreintes de loup. On va dormir là où ils sont venus jouer la nuit dernière. C'est presque la pleine lune. Dans le Pontiac, il y a beaucoup d'histoires de loups-garous. La pleine lune, c'est demain. Et là, ici, le sol est rempli d'empreintes de loups dans tous les sens. Il n'y a que ça, partout. Là, partout, c'est des empreintes de loups. On les voit là. Des belles empreintes de loups. Il y a maman, les petits-enfants. Voilà. C'est tout frais. Ils sont venus aujourd'hui. Ah, ils sont venus aujourd'hui. Ici, on est sur le terrain de jeu des loups. C'est absolument incroyable. Alors, il est 5h du matin. Il vient de se passer un truc dément. Des loups ont hurlé dans le lointain et des huards leur ont répondu. Ça a fait taire les loups et les huards excités ont gueulé. C'était magique. Bon, je redors. Si ça recommence, j'essaye d'enregistrer le son.